Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis trop contente de vous retrouver pour la suite du Secret d'Henri. Alors, vous avez été nombreux à me dire que je risquais de m'énerver pour ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai un petit peu peur, je vous le cache pas, vu que la semaine dernière on s'est fini en mode est-ce que ça va bien tourner, est-ce que ça va mal tourner? Donc on va voir, je croise les doigts quand même malgré ce que vous m'avez dit parce que l'espoir fait vivre. Hein. Chapitre 8, complications. Ah effectivement, ça commence mal. Le titre, ça pue. Ces deux derniers jours ont été atroces. Ah, ok, alors déjà, attends, elle a reçu des SMS, la cocotte, qu'est-ce que c'est? Jasmine. Ma copine, ça va toujours pas mieux? Bof. Henri n'est pas revenu en cours après qu'il t'aide à l'infirmerie. Vous avez fait quoi? Ah, je m'en souviens plus trop. Mais je sais qu'il m'a portée comme une princesse et qu'il est resté à mes côtés chez moi jusqu'à ce que mes parents arrivent. Oh, je suis trop mimi. Petit cœur, normal. Et Clément, comment ça va toi? Je suis dans mon lit et je me bats avec mon propre corps. Ok, lol, bon bah bon courage, repose-toi bien. Merci. Il n'y en a pas de message d'Henri par contre, c'est super. Super? Je sais pas, un petit texto, ça lui aurait pas arraché la tronche non plus, hein. J'ai bel et bien été contaminée par Alex. Bon, ça on avait compris, hein. Alors lui par contre, c'est parfaitement remis de sa maladie, hein. Je commence à aller mieux depuis seulement aujourd'hui. J'ai plus du tout de fièvre, mais je suis complètement épuisée. Henri s'est occupé de moi. Adorable de sa part. Je lui envoie un message pour lui donner des nouvelles de mon état de santé. Coucou Henri, un petit message pour te dire que je vais bien mieux. Et aussi pour te remercier d'être occupé de moi quand j'étais malade. Bise, Leïla. Je reçois sa réponse rapidement. Il est toujours très rapide quand il répond texto. Hein. Je suis heureux de te savoir en meilleure forme. Tu reviens en cours bientôt? J'espère, mais peut-être pas tout de suite. Je suis vraiment fatiguée. Je préférerais mille fois être avec vous. Hein. Continue à te soigner pour nous revenir vite. C'est mignon. Est-ce que je lui manque ne serait-ce qu'un peu? C'est terrible, je suis vraiment accro. Bah c'est terrible si ça s'arrange pas vite quoi. Toujours est-il que, même si nous sommes très proches, il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Je dois encore et toujours lui laisser du temps. Et je trouve le temps sacrément long. Oui, nous aussi, rassure-toi, t'es pas toute seule. Hein. J'ai jamais eu l'impression d'avoir été si près et si loin du but à la fois. Qu'est-ce qu'il retient à ce point? C'est pas comme s'il cachait ses sentiments? Je suis de plus en plus perdue. Est-ce qu'il se décidera un jour? Ouais, il retrouve les copains. Leïla, comme je suis contente de te voir en pleine forme. Enfin, visage décent. Encore un peu, il t'aurait pu auditionner pour jouer dans Les Morts en train de marcher. Vous êtes plusieurs à l'avoir dit la semaine dernière, tiens. Il a lu dans vos pensées, hein. Henri me regarde. Il est content de me voir avec une meilleure mine. Ah, Alex d'amour! Leïla! Qu'est-ce que tu fais là? Sympa, j'avoue. T'as laissé tomber ton téléphone en sortant de la voiture tout à l'heure. Tu pourrais faire attention quand même. Eh, hey, salut vieux! Oh, notre petit couple imaginaire! Alex et Clément se saluent comme des frères, commencent à blaguer tous les deux, puis se tournent enfin vers Jasmine en prenant soin d'ignorer Henri. Ah, même Clément? Je te signale qu'il y a Henri aussi. Ouais, salut. Bon, je me casse, à plus Frangine. Toujours aussi pénible, moi qui pensais que le concert aurait calmé Alex, apparemment non. Non mais après je peux comprendre, il a tant d'épreuves. Après ce qui aurait été normal c'est qu'il accepte pas l'invitation dans ce cas là, parce que ça fait un peu profiteur. Ça sonne, nous allons en cours. Henri? Ouais? Est-ce que mon frère t'a dit quelque chose en particulier? Pas plus que d'habitude, tu sais comment il est. Je suis pas sûre qu'il finisse par m'apprécier un jour. Ouais. Je suis pas hyper convaincue non plus. J'ai l'impression qu'une fois de plus Alex lui a fait des remarques déplacées. Pourquoi il lui dit pas? Après c'était pas déplacé, hein. Enfin moi je trouvais ça normal, mais bon. C'est vraiment le pied de voir les jours se rallonger, ça sent l'été! Enfin, t'as encore le temps avant de te mettre en maillot, Clément. Oh, j'en avais trop marre de l'hiver. Bonjour les jeunes, je vous sers la même chose que d'habitude. Notre serveur préféré énumère nos boissons sans se tromper. Il commence à bien nous connaître et c'est déjà à l'avance que nous allons commander. Yes, un sans faute! Quelle mémoire! Je vous apporte tout ça! Le serveur revient quelques minutes plus tard. Je meurs de soif! Alors que Clément se jette sur son verre, Henri, lui, y touche à peine. Nous avons passé une heure en terrasse à siroter nos boissons et à blaguer avec notre serveur. C'est à mon tour de payer ma tournée. Je constate qu'il reste un verre sur quatre à moitié plein. Bah il a pas soif, il a pas soif, écoute, tu vas pas le faire schmutz non plus. Il a le droit de pas avoir soif quand même. Je suis la première à l'engueuler hein, quand il merdouille, mais enfin de pas avoir soif, c'est pas un crime de lèse-majesté non plus. Hein. La journée s'est déroulée tout à fait normalement. Un peu trop même. J'ai trouvé Henri moins avenant. J'avais pris l'habitude de cette nouvelle proximité entre nous, mais depuis que je suis revenue, j'ai comme l'impression qu'il fait l'autruche. Oh non.
Ah non, hein. Ah non. Ah non, 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 non. J'espère vraiment que c'est qu'une impression. Oh putain, j'espère. J'espère vraiment. Plus j'y pense et plus je me dis qu'Alex n'y est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il allait lui raconter encore? Je peux même pas lui demander plus d'infos, il passe pas la soirée à la maison. Peut-être que je me fais de fausses idées. Ouais, je suis pas convaincue, hein. Non mais attends, le mec, genre... Je sais pas, quelqu'un te dit, lui fais pas de mal, franchement, veille sur elle, tu lui as déjà fait du mal, fais attention à toi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire, ouais, t'as raison, je me mets à fond sur elle, je la protège, je suis là pour elle. Oh bah alors je me casse. Non mais qui fait ça? Enfin, la lâcheté, quoi, je rêve. J'arrive devant le lycée quand je vois Henri. Bon, on va voir, ça se trouve, elle se fait des films, hein, on va voir. Henri! Il se retourne. C'est déjà ça? Salut. Il me sourit, mais il manque quelque chose. Ah mais c'est ça. C'est juste une grosse chiffre molle. J'ai du mal à l'expliquer et je suis pas très à l'aise. Mon intuition d'hier était-elle bonne? Il se dirige vers les portes du lycée, mais je lui attrape le bras. Henri, est-ce que tout va bien? Oui, pourquoi? Il essaie de maintenir mon regard, mais je le sens fuyant malgré tout. Oh, c'est insupportable! Oh, je supporte tellement pas ça! Mais mec, mais au moins portez, hein, et dis-lui la vérité, purée! Vous avez dit que j'allais m'énerver, vous avez raison. Il y a quelque chose qui cloche, maintenant j'en suis sûre. Allez, Layla, lâche pas! Faut bien qu'il y ait une adulte dans le duo! Tu n'es pas comme d'habitude. Tu te fais des idées? J'aurais pas le traiter de la débile, ton petit! Je ne crois pas. Je le regarde sévèrement. Il soupire. Ah bah vas-y, bah soupire, moi aussi je vais soupirer, hein. Y'a vraiment jamais rien qui t'échappe, hein. Pas dans ce genre de situation. Et puis c'est quand même flagrant. Pas besoin d'avoir le QI d'Einstein pour comprendre que ton comportement a changé. Ton frère m'a recadré. Et non mais, non mais, non mais, et alors? Et c'est une raison pour faire la gueule, mais t'es vraiment un gamin? Je le savais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? La vérité. Mais attends, tu sais que c'est la vérité! Mais alors pourquoi t'agis pas? Mais c'est un gros lâche, franchement je suis désolée, il peut avoir toutes les raisons du monde, j'en ai rien à foutre, c'est un gros lâche. Quel genre de vérité? De celles qui sont dures à entendre. Putain mec, je vais le taper, je vais le taper, merde! Henri, tu vas tourner autour du pot combien de temps comme ça encore? Que t'as dit Alex? Voilà, très bien. Putain, Layla, heureusement que t'es comme ça. Parce... Il a dit que je te donnais de faux espoirs. Mais tu le savais! Tu le savais, tête de cul! Puisqu'elle te l'a déjà reproché! C'est pas possible, il a des troubles de la mémoire immédiate comme Dory. C'est genre. C'était la conversation après la soirée de l'anniversaire de la petite. Ils en ont parlé. Oh! Je me glace d'effroi. Et c'est le cas? Je sais pas vraiment. What? Oh meuf, dégage-le. Ah non, écoute, je suis désolée. Hein. Franchement, Henri, je l'aime bien. Nous, on sait un petit peu son vécu, on sait un petit peu ce truc. Je suis désolée, il dégage. Il y a un moment, faut arrêter. Le gars lui fait oh, je t'aime, mais tu m'attends. Elle attend 3 semaines, le mec. Oh, finalement, je sais pas si je t'aime. Non, mais dégage-moi ça. Va sortir avec un autre, n'importe qui, même un poteau, même l'arme qui est derrière toi, il sera un meilleur copain que lui. Non, ça suffit un moment. Hein. Oh. Henri. Oh, c'est un connard. Je t'ai demandé de me laisser du temps, et finalement je me conduis comme si tout était acquis. C'est vrai? C'est vrai. Mais alors arrête! C'est tout? Non, tu... Je... Non mais si, il est là, c'est vrai ce qu'il dit, mais faut qu'il arrête de te comporter comme si tout était acquis dans ce cas-là, c'est tout? Je suis sidérée. Je suis désolée, Layla, je ferai un peu plus attention à mon attitude. Mais attends, en quoi... Non mais, en quoi être moins mignon avec elle? C'est pas te comporter comme si tout était acquis, au contraire! Là tu te comportes comme si t'étais son mec et que t'avais le droit de faire la gueule. Non, t'es pas son mec! Putain, Layla, va-t-on trouver un autre, j'en supplie, hein. Alex, je vais te tuer. Mais non! Pour le coup, franchement, Alex d'amour, des fois c'est une tête de cul, je suis tout à fait d'accord, des fois son comportement il est relou. Là, Alex, je suis désolée, il a rien fait de mal, il lui a dit « Ma sœur, elle a pleuré à cause de toi, elle a fait plus pleurer, fais gaffe !» En gros, si tu reviens, fais gaffe. Le mec, tout ce qu'il trouve à faire, « Ah bah du coup, je suis pas sûre de pas la faire pleurer, je reviens pas !» Mais non, Alex a eu raison, hein. Je sens les larmes monter. Pitié, je dois pas pleurer. Oh non, ma chérie. Non, ça fait une fois trop. Il dégage. Franchement, il dégage. Bien. Allez, va-t'en. Je vois Jasmine, allons-y. Sans attendre sa réponse et sans le regarder, j'entre dans le lycée rejoindre mes amis en ravalant ma tristesse. Je dois pas craquer devant lui. Tu sais, il y a un proverbe, c'est peut-être un truc de con, hein, mais il y a un proverbe qui dit « Aucun homme ne mérite tes larmes et le seul qui le mérite ne les fera jamais couler. » Voilà, je suis désolée. Alors, c'est à la con, évidemment, que ça peut arriver que ton mec, l'homme de ta vie, te fasse chialer pour une raison ou une X ou Y. Mais là, ça fait 2 fois en quoi, en 3 semaines? Faut arrêter un moment. Ah, ça me rend folle. Vous aviez raison, je sais pas si vous avez pensé que ça m'énervait autant, mais je pensais pas que ça m'énervait autant, mais ça me rend folle. Oh!
Quelqu'un sait où elle est Henri à midi? Non, mais on s'en bat les reins, mec, y'en a rien. Il a simplement dit qu'il serait avec son père, j'en sais pas plus. Moi non plus. T'as pas l'air dans ton assiette depuis ce matin. Ça va, je suis encore un peu fatiguée à cause de ma grippe. Ouais. Meuf, dis-lui, elle est au courant en plus. Salut, t'es Layla, la sœur d'Alex? J'ai fait une voix plus mec. Oh, bah voilà, le remplaçant d'Henri, il est très bien celui-là. Bon, il a l'air un petit peu très beau gosse et sûr de lui, mais... Je me redresse, un beau jeune homme se tient devant moi. Oui, c'est moi. Je suis Mathias, je suis en BTS aussi. Même si je suis pas dans la classe de ton frère, je le connais bien. Je crois que tout le monde connaît Alex. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui lui avais prêté le jeu Ultime Fantasy. Oh, je vois. Encore merci alors. J'avais cru comprendre que vous jouiez ensemble. Oui. C'est rare de voir des filles s'éclater à tel jeu. Non, c'est très courant. Les filles aussi adorent les jeux vidéo. Ouais, mais elles ne sont pas toutes aussi jolies que toi. Oh, bah voilà. Là, tu vois, je suis désolée, hein. Mais au moins, il sait ce qu'il veut. Ça repose. Non, mais il est un peu trop direct, on est d'accord. C'est pas très élégant, mais... Je rougis. Ça n'a absolument rien à voir, on est d'accord. C'est... Il fait son lover, mais bon. Merci. En parlant d'Ultime Fantasy, un pote vient de me rendre ma BD. En effet, je n'avais pas remarqué qu'il tenait une bande dessinée. Je sais pas si tu l'as lu, mais c'est un pur chef-d'œuvre. Oh, non, j'en ai pas eu l'occasion. Avec les révisions du bac et tout le reste... Si tu veux, je peux te la passer. Mais attention, faudra me la rendre. Il me fait un clin d'œil. Il est vraiment canon, en fait. Il aime la BD, mon jeu vidéo préféré. Non, puis il est gentil, il se prend pas la tête. Non, j'aime bien. Je suis désolée, mais de toute façon, là, ça aurait pu être un facochère, hein. Mais ça soulage, hein. Il me tend son livre. Puis en plus, il vient pas la draguer juste en mode « T'es belle, tu veux qu'on sorte ensemble, on va boire un café ?» C'est vrai qu'il passe par leurs intérêts communs, je trouve ça vachement sympa. J'y vais. Enchantée d'avoir fait ta connaissance. Trop mignon ! Moi de même. Merci pour le prêt. Mathias s'en va tout sourire. Tu m'étonnes. Waouh, d'où il sort ce mec ? On dirait qu'Henri a de la concurrence. Oh, tu vas la refaire bader. Arrêtez. Certes, il a l'air parfait, mais c'est pas Henri. Ah non, maman, je veux qu'elle le largue. Franchement, Henri, je veux qu'elle le dégage. Il m'a saoulé, là. Oh, une pub pour un salon d'extérieur. Ok, 400 balles, c'est pas très cher. Henri est resté fidèle à lui-même tout au long de la journée. Poli et courtois, mais le petit plus a disparu. Bah tant pis. Franchement, rappelez-vous la théorie de l'élastique. Le mec, il fait son distant, très bien. Tu le laisses, tu vas pas vers lui. Parce que du coup, il va aller au bout de son élastique, au bout de sa distance, puis il va se dire... En fait, ça me manque et c'est lui qui va revenir vers toi toute blinde. C'est comme quand tu tends en élastique, bah c'est pareil. Laisse-le aller au bout de son élastique, meuf. Il va revenir tout seul. Je commence à en avoir marre de ces ascenseurs émotionnels. Exactement. Mais je l'aime tellement. Tu l'idéalises, c'est tout. La seule chose que je dois faire, c'est faire preuve de patience et lui laisser ce fichu temps qu'il me réclame sans cesse. Oh, ça va. Il y a un moment. Layla ? Ah ! Une voiture s'arrête à ma hauteur. C'est Mathias ! Tu ne rentres pas avec ton frère ? Non, Alex a fini plus tôt aujourd'hui, donc je rentre en bus. Si tu veux, je te raccompagne. Ta maison, c'est sur mon chemin. Comment tu sais où j'habite? Il est pote avec Alex, nounouille. Alex m'en a déjà vaguement parlé. Je sais que je ne suis pas très loin. Si ça ne te dérange pas, ça me rendrait bien service. Je monte dans sa voiture. Voilà, il est serviable, il est gentil, il est pas chiant. Un mec stable, quoi. C'est bien, ça repose. C'est dans ce genre de situation que je me rends compte de tous les avantages d'être majeur et d'avoir une voiture. Attendre le bus ne me manque pas. Ouais, quelle chance. Dure journée? Ça se voit tant que ça? Un peu. Les quelques fois où je t'avais vue dans le lycée, t'étais plus, disons, joyeuse. Ouais. Tu peux m'en parler si tu veux. Je me vois mal lui parler de mes problèmes de cœur. Et puis comment mettre des mots sur ma situation? Je suis amoureuse d'un homme à qui je plais en retour, mais qui veut davantage de temps pour une obscure raison. Mieux vaut ne pas m'y risquer. C'est très gentil de ta part, mais j'ai pas vraiment envie de discuter de ça. Je comprends, t'en fais pas. Alors, si j'ai bien compris, tu aimes beaucoup les BD? Ah oui, j'adore. Quel genre? Un peu de tout. J'avoue avoir un penchant pour les BD à l'eau de rose. Il éclate de rire. Si tu veux tout savoir, j'aime beaucoup aussi. Quoi? Ouais, enfin, il y en a qui sont vraiment trop niaises, mais je suis pas contre une belle romance. Oh, c'est rare de voir un garçon aimer ce genre de lecture. Mes potes aiment bien se payer ma tête, mais j'assume. On est comme on est, n'est-ce pas? Bien! Bon, après, bon, je maintiens qu'il est peut-être un peu trop direct, on le connaît pas, hein, mais ça repose, ça repose. Oui,
La compagnie de Mathias s'avère être très plaisante, réconfortante et apaisante. J'en ai presque oublié mes tourments avec Henri. Il a fait tout ce qu'il a pu pour me faire rire et me faire penser à autre chose. C'est cool de sa part. Bah, tu sais que, enfin, quand j'étais au lycée, bon, de toute façon, mes ex datent tous du lycée vu que ça fait 9 ans que je suis avec Kim, mais il y a eu un moment où j'étais très amoureuse d'un mec qui était très torturé, très sombre, très jaloux, très possessif. Enfin, on sortait ensemble, mais c'était un cauchemar. Enfin, franchement, voilà, je l'aimais énormément, mais c'était trop sombre, tu vois. J'étais pas heureuse du tout. Ma mère, elle me disait tout le temps, mais t'arrêtes pas de faire la gueule, t'es supposée être amoureuse, il y a un problème. Et au final, je suis tombée, j'étais pas bien, et c'était un des potes de notre groupe qui a pas arrêté de me remonter le moral, d'être super sympa et de me faire rire. Et genre, en s'effaçant totalement, tu vois. Et du coup, je suis tombée amoureuse de lui, et on est sortis ensemble après. Et ça a été une grosse histoire pour moi, celui d'après. Voilà. Donc, comme quoi, hein, je dis pas que c'est le cas pour lui, mais être positif, je pense que ça paye plus. Bref, il est charmant. Nous arrivons devant la maison. Tu veux rentrer un moment? Mon frère est sûrement là. Oula non! Si je vois que je t'ai raccompagné dans ma voiture, je vais me faire tuer. Il est de notoriété publique, il ne faut pas toucher la petite sœur d'Alex. Ouais, je vois. Merci, c'était sympa de ta part d'avoir fait ce détour pour moi. De rien, c'était plaisant. En plus, il parle bien. Oula, gros plan. Alex! Pas de réponse, elle va le défoncer. Pourtant, il faut vraiment que je lui dise le fond de ma pensée, là. Tout ce qu'il a dit à Henri, non mais de quoi je me mêle? Mais meuf, non, mais c'est pas ton frère le problème, en l'occurrence. C'est vraiment Henri, hein. Sa réaction est totalement injuste. À cause de lui, j'ai l'impression d'être revenue à la case départ. Mais c'est pas à cause de lui, c'est à cause de ton mec! Je regarde dans sa chambre, il a pas l'air d'être là. Il passe encore la soirée chez un pote. J'ai assez mal dormi. Je suis allée au lycée sans Alex, qui n'a pas passé la nuit à la maison. T'es sûre que t'as plus la grippe? Non, t'inquiète, c'est autre chose. Ouais, bichette. J'ai pas dormi. Ok, message reçu. Ça veut dire, me casse pas les pieds, quoi. Je regarde Henri. Il n'est pas bête. Il a très bien compris la raison de ma mauvaise humeur. Et il fait rien. Hey, vous savez quoi? Jay a... Mais on s'en cogne de Jay. T'es sérieux, mec? Non, mais qu'est-ce qu'ils ont... C'est la journée? La journée des cons. Qu'est-ce que... What? Tiens, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas disputés. Et voilà partis tous les deux dans leur grand débat stérile. Aucun des deux camps n'est prêt à faire de concessions. Oh. Henri profite que Jasmine et Clément sont occupés à chamailler comme des enfants pour venir me parler discrètement. T'as intérêt à t'excuser, à ramper, mec. Leïla, ça va? À ton avis! Je lève les yeux vers lui. Je pense que mon expression faciale lui donne une forme de réponse satisfaisante. Je comprends. Je suis désolée. Encore? Ça fait combien de fois que t'es désolée, franchement, depuis le début de ce jeu? Non, parce qu'à un moment, il faudrait qu'on les compte, quand même, hein. Il pose sa main sur mon bras. Ah, ça m'a... Là, je roucoule pas, là. Hein. J'inspire profondément et regarde l'endroit où sa main s'est posée. Comme d'habitude, il a l'air en proie à un terrible dilemme. Et moi, je me recule. Mais franchement, il y a un moment, foulu un ultimatum dans la tronche, hein. Et je suis fatiguée. Je détourne les yeux. Au loin, Mathias est dans mon champ de vision. Il me sourit. C'est un séducteur. Il me fait un léger signe de la main pour me saluer de loin. Je rougis légèrement à l'idée de plaire à Mathias. Je lui rends son sourire et le salue à mon tour. Henri se retourne pour voir à qui je fais signe et croise le regard de Mathias. Qui c'est? Ça te regarde pas. T'avais qu'à être là. Son intonation sent le mépris et la jalousie à des kilomètres. Ah, il m'énerve! Oh, mais sans déconner! Il faut savoir ce que tu veux, mon grand. Exactement! Ah, ça me plaît. C'est Mathias, un pote de mon frère. Il relâche mon bras. Leïla, je... La sonnerie interrompt notre conversation. Oh, je suis ouf. Mais attends, sans déconner, non mais il y a un moment... En fait, tu sais là ce qu'il fait, c'est super malsain. C'est en gros, dès qu'elle s'éloigne, il vient la rattraper. Mais c'est super toxique, hein. Bon alors, encore une fois, c'est un jeu et on connaît Henri. On sait que le personnage est mignon parce qu'on est aussi de son côté, genre dans l'histoire. Mais dans la vraie vie... Une situation comme ça, sans déconner les meufs, fuyez. C'est pas le problème, tu vois, Clément et Jasmine, c'est autre chose. Clément et Jasmine, ils sont amis, ils se déclarent pas, ils sont ambigus l'un l'autre. L'ambiguïté entre amis, c'est possible, y a pas de problème, ça peut durer 3 ans si ça vous plaît. Tant que ça vous frustre pas, vous faites ce que vous voulez. Mais à partir du moment où le mec, il vous fait chialer comme ça, il revient, il se rebarre, dans la vraie vie, c'est pas une star, j'ai envie de dire. Dans la vraie vie, c'est juste un mec qui sait pas ce qu'il veut. À la rigueur, il a encore une meuf ou deux de côté, il sait pas quoi faire. C'est pas sain, cassez-vous. Et en plus, si vous vous cassez, il va revenir plus vite. Donc, c'est pas possible, quoi. Et on continue, j'espère que je ne vais pas m'énerver pour cette seconde partie. La première a été dure quand même, la première a été très dure, j'ai eu beaucoup de mal à me calmer après le tournage. Là je le sens bien, hein.
il faut partir comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. Allons-y tout de suite. Pff, qu'est-ce qui a été chiant au cours de ce matin? J'ai bien failli m'endormir. Mais tu t'es endormi. Mais non, je faisais semblant. Ça m'étonnerait, parce que je vois pas l'intérêt de faire semblant de toute façon. Salut. Ah, Mathias. Salut, bonhomme. On le voit tout le temps, lui, maintenant. Oh, joli t-shirt. Salut, Mathias. Au fait, j'ai fini ta BD. Déjà? Je fouille dans mon sac. Oui, je l'ai lu d'une seule traite, j'ai adoré. Je suis vraiment content. J'en ai d'autres dans le style à te faire découvrir, si ça te dit. Il est un mode lover. Pourquoi pas? Je me risque à jeter un œil en direction d'Henri. C'est bien ce qu'il me semblait. Il nous fusille du regard. Et bah tant pis pour lui, franchement, c'est pas notre problème. Mais je l'ignore royalement. S'il est jaloux, c'est son problème. Je suis pas en train de me jeter dans les bras de Mathias non plus. Hein. Parce que là, pour le coup, elle est juste sympa. Parce qu'elle le ferait pour le rendre jaloux, ça craindrait. Franchement, c'est pas le truc à faire. C'est useless total. Ça se fait pas pour Mathias, ça serait pas pour Henri, ça serait pas pour elle-même. Mais là, elle est juste aimable, donc elle met pas de faux espoirs à faire rien. Hein. Nous continuons à blaguer et à rire en sortant de la cantine. Oh non, cette musique. Ah, cette musique, j'aime pas ça. Alex d'amour? C'est pas un sissi wesh? Hey, qu'est-ce que tu fais avec ma sœur, toi? Alex? Il s'adresse à Mathias. Mec, t'es sérieux? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Des stress, on fait que parler. Bah tu n'approches plus, ok? Va parler ailleurs. Alex, ça suffit! Arrête de te mêler constamment de mes affaires, enfin! Mais attends, mais il a fumé quoi, là? Je suis assez grande pour parler avec qui je veux. D'accord, parle avec qui tu veux, même le bigleux, mais pas lui. Tu m'entends, Leïla? Pas lui! Ok, donc il a fait une connerie, l'autre. Il pointe Mathias du doigt. Hey, Alex, j'ai rien fait à ta sœur, calme-toi. Mathias a l'air désolé et cherche à apaiser les choses. Mon frère pousse violemment Mathias qui s'immobilise, choqué. Ouais, non mais attends, si... Alex d'amour, je suis d'accord pour dire qu'il s'énerve pour rien et qu'il est un peu casse-couille sur les bords. Mais là, il doit y avoir une raison quand même pour qu'il se mette dans cet état. Toi, tu me parles pas. Joue pas à ce petit jeu-là avec moi. Mais t'es dingue ou quoi? Son ami Sébastien intervient et tente de retenir Alex par l'épaule. Mec, du calme, tu vas te faire virer si tu te fais remarquer. Furieux, mon frère se tourne vers Henri. Et toi, tu dis rien? Tiens Henri, mets le nez dans la merdouille un peu là. Laisse pas ce gars s'approcher d'elle, rends-toi utile pour une fois. La cloche sonne. Leïla, je déconne pas, t'approches pas de Mathias. Sur ces mots, il s'en va. Ok, super. Mais qu'est-ce qu'il lui prend à Alex là? Il me fatigue à toujours vouloir mettre son nez dans mes affaires. Non mais attends, s'il s'énerve comme ça, c'est que là il y a une vraie raison, je pense. Hein. De manière générale, il a toujours été très désagréable avec les mecs qui me tournent autour. Mais cette fois-ci, il est allé trop loin. D'abord Henri, et puis ce scandale devant tout le monde. Mathias m'a tout l'air d'être un gars adorable et civilisé, des qualités totalement méconnues par mon imbécile de frère. Meuf, tu te attends de savoir. Ça m'inquiète un peu cette histoire-là. Et Henri qui fait rien, j'avoue, non mais... Il a bien fait de le prendre à partie, parce que de base, il a dit à Henri de se bouger le cul, et maintenant il fait encore moins qu'avant, donc... T'en as mis du temps. T'étais pas avec Mathias, j'espère. Oui, hey, tu vas descendre d'un étage, Coco, quand même. Hein. Mais arrête, j'étais encore en cours, la prof nous a retenu 2 minutes de plus, c'est tout. Il met sa voiture en marche et nous partons pour la maison. Faut que vous causiez les deux, là. Faut parler, là. Il soupire. Écoute, Leïla, vraiment, Mathias, c'est pas net comme mec. Je dis pas ça comme ça. J'ai de gros soupçons à propos de son honnêteté. Je le vois souvent tourner autour de plein de filles, comme il le fait avec toi. Sans jamais sortir avec aucune. Il est vraiment pas clair. T'approches pas de lui. Ça se trouve, il est juste gay et il s'est trouvé une couverture. Je sais pas... De toute façon, dès que je m'intéresse à quelqu'un, tu fous tout en l'air. T'es allé raconter je ne sais quoi à Henri. Résultat, il s'est éloigné de moi. Alex, je suis si malheureuse depuis. Henri me parle à peine et c'est de ta faute. Non, meuf, c'est pas de sa faute. Enfin, je suis désolée, c'est la faute d'Henri, quoi. Je me mets à pleurer sans que je ne puisse m'arrêter. Leïla, je suis désolée. Vous êtes toujours tous désolés, j'en ai ma claque, moi, hein. T'as raison. Mais il me rend fou, ce mec. Je sais pas à quoi il joue avec toi, mais... Mais ça ne te regarde pas, bon sang. Si je suis en train de faire une erreur avec lui et qu'il me brise le cœur, ça ne regarde que moi. D'accord. Mais pour Mathias, c'est bien plus qu'une histoire de cœur brisé. Ne t'approche pas de lui. Promets-moi de vraiment faire attention, c'est tout ce que je te demande. D'accord? Oui.
Il a l'air inquiet, mais aussi désolé pour moi. Mais il est pas méchant, Alex d'amour. Il est juste trop protecteur. Il a pas compris. En même temps, moi, je m'in... Oula. C'est Henri, d'accord, c'est le téléphone. J'ai eu trop peur. Moi, je maintiens que, ok, il a été maladroit dans sa façon de dire, mais Henri a super mal réagi, quoi. Allô ? Leïla, c'est Henri. Oui, je sais, ton nom s'affiche sur mon téléphone. Oui ? Comment tu vas ? Ton frère avait l'air vraiment en colère à midi, et on n'a pas eu le temps d'en parler. Tu voulais parler de quoi exactement ? Mon frère se mêle toujours de ma vie. Tu le sais mieux que quiconque, non ? Oui, mais on dirait que cette fois-ci, c'est différent. Ton frère ne s'est jamais emporté contre moi comme il l'a fait avec ce... Mathias. Il dit son nom avec tellement de dédain. En fait, ça me rend ouf, en fait. Genre... Tu sais, il juge l'autre, il sait pas... Alex, il a ses raisons, tu vois. Alex, il s'est vénère parce qu'il a des raisons, apparemment. On ne sait pas encore lesquelles, mais Mathias, il l'aime pas, il y a une vraie raison. Ok, on comprend, il y a une justification derrière son emportement, tu vois. Son côté un peu macho, viril, là. Henri, il a rien. Henri, il a juste le seum, là, en fait. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Je comprends pas à quel... Il est pas legit, en fait. Il est pas legit pour être jaloux. Donc, ou il se déclare et il arrête de faire le con, ou alors il ferme sa bouche, quoi. Je comprends pas. Tu es jaloux ? Oui. Oh, mais c'est pas... Oh, mais je... Non, je m'énerve pas. J'ai dit que je m'énerverais pas. Je m'énerverais pas. Vous savez ce que j'en pense. Il mérite un bon coup de pied au cul. Je soupire. Mathias est vraiment quelqu'un de sympa. Il est gentil, drôle et galant. Je ne vois pas où est le problème. Je n'ai pas pour projet de sortir avec lui, si c'est ça que tu veux entendre. Tu ne devrais pas lui dire. T'as aucune raison de lui dire ça. Je préfère quelqu'un d'autre, mais cet indécis me demande encore et toujours de lui laisser du temps. Il n'y a aucune raison qu'il arrête. Elle l'attend. Leïla... Oh, fais pas ton exaspéré, hein. Je te jure, si tu fais ton exaspéré, c'est la tête dans un pot de crème fraîche 15 fois d'affilée. Et pas le droit de respirer entre-temps. Ou alors dans le pot de crème fraîche. Laisse tomber, Henri. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Alors j'attends. Je commence à être douée pour ça. L'attente. Je suis cynique et amère. Je crois que la fatigue ne me rend pas aimable. Oui, bah, il manquerait plus que tu sois aimable. Fais attention à toi. Moi non plus, je le sens pas, ce gars. Bah, tiens, tu y penses. Tu penses, ça pourrait être Ryan Gosling en mode gentilhomme, tu parles et il le sentirait pas non plus, alors... Tu m'appelles juste pour me dire ça ? Oui. Mais pendez-le ! Non, je ne le supporte plus ! Bien. Alors à demain. Voilà, à demain. Ah, c'est ça, dégage. Je raccroche. Oh, mais il est insupportable ! Non, mais il est insupportable ! Est-ce qu'il y a que moi qui le supporte plus, là ? Ou est-ce que vous êtes pareil ? Il est insupportable, ce mec ! Je suis à bout de nerfs. Mais tu m'étonnes! Mais dégage-moi ce con! Alors, ok, pas Mathias, mais c'est pas grave, sors avec l'arbre qui est là, on a déjà dit la première partie, sors avec l'arbre, ça vaudra toujours mieux, hein! Je m'apprête à passer les portes du lycée quand quelqu'un m'interpelle. Oh! Leïla, t'es bien la sœur d'Alex? Il est mignon celui-là aussi, bah voilà, il est très bien le petit chevelu! Décidément! Je soupire. Oui, c'est bien moi! Je m'appelle Hassen. Je n'ai pas pu passer à côté de votre dispute hier dans la cour. Je suis désolée de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je voulais aussi te mettre en garde contre Mathias. T'as décidément... Il a l'air bien, ce garçon. On peut pas sortir avec Hassen, non, plutôt ? Tu es un ami de mon frère, c'est ça ? Il me sourit. Non, je ne le connais pas personnellement. Je suis dans une autre classe. Mais à peu près tous les mecs de BTS louchent sur toi, et nous avons tous été avertis qu'il ne fallait pas t'approcher. Mathias n'est pas celui qu'il semble être. Je sais combien il peut être gentil et serviable aux premiers abords, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ton frère a sûrement les mêmes soupçons que moi à son propos. Il est super cool, ce garçon. Mais par contre, je suis curieuse là. Mais quel genre de soupçon ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce que ton frère ne sait pas, et qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a un groupe sur les réseaux sociaux où des photos de jeunes femmes sont postées régulièrement. Ok, je vois. En gros, il reçoit des nudes et il les poste, c'est ça ? Ce sont des filles en sous-vêtements dont le visage est systématiquement caché. Bon, au moins, il est caché, c'est déjà ça ? Et ? Quelqu'un que je connais est justement sur une de ces photos, qui a été postée sans son autorisation. Le but de ce groupe est de donner une note à chacune de ces filles et de les commenter. C'est dégueulasse. Pourquoi ne demande-t-elle pas que la photo soit retirée ? C'est ce qu'elle a fait, mais la personne qui tient cette page a menacé de dévoiler son visage si elle tentait quoi que ce soit. Aïe, 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 aïe. Et c'est Mathias qui fait ça ? Ah, on va se le faire, mais pas dans le sens... C'est du chantage ! Oui. Mais qui est dans ce groupe ?
Le souci est bien là. Pour faire partie du groupe, il faut être invité, et tous les membres ont un faux profil. On ne connaît pas leur réelle identité. Et qu'est-ce qui te fait croire que Mathias a un rapport avec ce groupe, alors? Je l'ai vu aborder maintes fois la fille dont je te parle. Le jour où il a arrêté, elle était effondrée. Elle ne pouvait pas être dans cet état juste à cause d'un râteau. J'ai fini par lui tirer les verres du nez. Elle m'a avoué pour la photo et j'ai appris l'existence de cette ignoble page. Bichon, comment a-t-il eu sa photo alors? Il lui a demandé, meuf, tu connais pas les nudes? Je ne sais pas. En tout cas, je me suis intéressée à ce que faisait Mathias. Je l'ai vu draguer une autre fille. Et quelques jours après, même scénario. Il l'ignorait complètement et la fille en question n'avait pas l'air bien du tout. Hassen, qu'est-ce que tu fais? Je te cherche depuis tout à l'heure. Ah merde, c'était une fille. Désolée Samia, je suis navrée. Oh, bon, elle était un peu enrouée. Hein. Ah Samia. Pardon, je discutais avec Leïla. Leïla, voici Samia, ma cousine. Samia, je te présente ta sœur d'Alex. Il est en BTS, tu le connais? Ah, je vois très bien de qui tu parles. Il a déjà essayé de me draguer en début d'année. Oui, on parle bien du bon Alex. Mais il n'est pas méchant, c'est une bonne patte en fait. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les mecs. Soudain, Samia baisse les yeux et son visage s'attriste, comme si quelque chose avait soulevé en elle des souvenirs assez douloureux. Je regarde Hassen qui lui aussi semble mal à l'aise. Ah, c'est elle! Ah bah Leïla, bravo, au niveau tact, t'as fait fort là. Hein. Bon bah, à plus Leïla. Ok, super. Je me dirige vers l'endroit où nous avons l'habitude de nous retrouver dans la cour et je repense à ce que vient de raconter Hassen. J'ai quand même du mal à le croire. Mathias semble être un garçon vraiment sympa. Il faudrait vraiment être tordu pour jouer un double jeu de manière si magistrale. En même temps, la réaction de mon frère était assez surprenante. Je sais qu'il aime être désagréable avec tous les mecs qui m'entourent, à part Clément, mais cette fois-ci, il était vraiment en colère et m'a sérieusement mise en garde. Si je peine à croire à Hassen que je ne connais pas, je suis obligée de faire confiance à mon frère. Leïla, salut! Tiens! Mathias se tient devant moi. Il rayonne et me sourit chaleureusement. C'est tellement dur de s'imaginer qu'il pourrait être une ordure. Mon cerveau a bien du mal à l'assimiler, hein. Salut Mathias! Tu as vu qu'il y aura l'auteur d'Ultime Fantasy au salon du jeu vidéo cet été? Quoi? J'étais pas au courant! Ouais, l'info vient juste de tomber, c'est normal que tu ne saches pas encore. D'ailleurs, il se peut que j'ai des places. J'en ai toujours très peu, mais je peux t'en mettre une de côté. Oh, bah je veux bien, oui. Donne-moi ton numéro, je te préviendrai dès que je sais. Ok. Il perd pas de temps, hein? Mon numéro pris, il s'éloigne vers ses amis. À toute Leïla! Il s'en va en me faisant signe de la main. Est-il vraiment la personne qu'on me décrit? Je me remets en quête de mes amis et arrive enfin à leur hauteur. Salut les copains! Hey, c'était pas le gars qu'Alex veut pas que t'approches? Si. Qu'est-ce qu'il voulait? Pas grand-chose, juste dire bonjour. Je me fais scanner de la tête aux pieds par Henri, qui est plus que sceptique. Tu comptes bien écouter ton frère, non? Je sais pas, j'ai tellement de mal à croire que Mathias puisse être aussi horrible. Mais ne t'inquiète pas, je fais gaffe. Oui, tu as raison. Mon frère aime alerter tout le monde alors que ça n'a pas lieu d'être. Henri détourne les yeux. Il sait que cette remarque lui est parfaitement destinée. Je préfère juger par moi-même. Elle a pas tort. La tête dans mes devoirs, j'essaie de me concentrer sur ma rédaction. Ah, texto! Tiens, un texto de Mathias. Eh ben, il perd vraiment pas de temps, coco! Salut Leïla, est-ce que t'es arrivée à battre le boss caché d'Ultime Fantasy? Oui, bien sûr! C'est vrai? Je galère. Toutes les solutions que je trouve sur le net n'ont pas l'air concluantes. Il faudrait que tu me dises, un de ces quatre, comment tu t'y prends, car je suis en train de devenir fou! Oui, oui! Ça te dit qu'on se voit pour en parler demain au café, après les cours? Si tu veux. Super, alors à demain! À demain! Je ne sais pas trop quoi penser. Il m'a tout l'air d'être inoffensif. Ok, je resterai sur mes gardes, même si, après tout, il souhaite seulement parler de jeux vidéo. Je dois avouer que ce Mathias m'intrigue. Alors, pour moi, il est... Oh, je sais pas s'il est vraiment coupable de ça, mais quand même, j'ai du mal à croire que les deux mecs qu'il ait prévenus... Bon, déjà, son frère... Bon, son frère peut être un peu naïf, mais quand même. Et Hassen, il avait l'air totalement sincère, donc moi, j'aurais tendance à les croire. Après, je pense qu'elle a raison de se faire sa propre opinion. Là, elle va boire un café avec. Ça peut être une occasion de jauger un petit peu le caractère du mec, de voir un peu comment il est.
Mais je trouve ça super, super cool que le jeu parle de ça. Effectivement, ça a fait un tollé un peu sur Twitter il y a quelques temps. Il y a beaucoup de filles qui envoient des nudes comme ça à leurs mecs et qui après, les nudes se retrouvent montrés. Et il y a beaucoup de messages en mode, les filles, si vous envoyez ça, montrez justement pas votre visage parce que sinon vous êtes dans la merde. Hein, clairement, malheureusement, les mecs sont des cons. Et les gens sont cons également puisque c'est les filles en question qui se font juger au lieu de critiquer les mecs qui ont dévoilé les clichés. Mais bon, on espère que ça s'améliorera avec le temps. Mais je trouve ça extrêmement intéressant que le jeu parle de ça. Je trouve ça super. Par rapport à Henri, il me saoule. Puissance 40 000, hein, on va même pas trouver un autre terme que ça. Il est insupportable, ce mec est insupportable. Pour moi, je suis en mode je le dégage tant qu'il revient pas et qu'il la bécote pas en fait. Voilà, tant qu'il n'est pas décidé clairement à se bouger le cul, il y a aucune raison de continuer à flirter comme ça. Ça n'a aucun sens. À part donner de faux espoirs à Leïla et lui faire du mal, je vois pas quoi il joue là en fait. Donc j'espère vraiment. À mon avis, il va se bouger et à un moment il va avoir une révélation divine. Et voilà. Mais là, c'est dur à vivre. Hein. Franchement. Il est ardos à supporter quand même, il est vraiment ardos et heureusement qu'on connaît son histoire parce que sinon je l'aurais jamais fait confiance, clairement. Si on n'avait pas de morceau d'histoire de son point de vue, jamais de ma vie je l'aurais fait confiance à ce mec. Hein. C'est pas... Il est encore plus chelou que Mathias quand tu regardes de l'extérieur en fait. Hein. Je comprends clairement Alex. La vidéo d'aujourd'hui risque d'être très très longue, donc j'espère que ça vous a plu, mais je sais que vous aimez les formats longs, hein. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve demain pour la suite de Fly Forever Loving You. En attendant, passez une excellente journée mes amours, je vous aime très fort, j'ai hâte d'avoir votre avis sur l'attitude d'Henri et également de ce petit Mathias, et pourquoi pas également de cette histoire de clichés diffusée sur le net, c'est toujours intéressant de débattre autour de ça, même si je pense qu'il n'y a pas trop matière à débat, mais discussion intéressante sans doute. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.